questions du présent, les leçons du passé. Un jeune homme de 15 ans, un peu trop bien élevé, et le même à 20 ans, déjà déraciné, qui devient à 30 ans, sans l'avoir soupçonné, un monsieur important, un peu désemparé par la fuite du temps et les grandes idées, les affaires et l'argent. Et déjà le passé, et l'été finissant qu'on n'a pas vu passer. Plus ça change et plus c'est pareil, les hommes vont et viennent, les bateaux appareillent. Plus ça change et plus c'est pareil, on dira ce qu'on veut, la vie c'est pas sérieux, pas sérieux. Les amis, les journaux, les nouvelles du temps, et la nuit, les bistrots, pour se tuer le temps, les lumières de la ville, et le froid du matin, ça devient difficile de se rappeler bien le tout petit garçon que l'on était hier, apprenant ses leçons. Disant à livre ouvert les choses de la vie à l'envers du décor et se levant la nuit pour chercher des trésors. Plus ça change et plus c'est pareil, les hommes vont et viennent, les bateaux appareillent. Plus ça change et plus c'est pareil, on dira ce qu'on veut, la vie c'est pas sérieux, pas sérieux. Les questions du présent, les leçons du passé. Un monsieur important, un peu désemparé par la fuite du temps, et les grandes idées, et l'été finissant qu'il n'a pas vu passer. Les amis, les journaux, la 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 la